Comme rappeur d'Afrique, notre gars Zelensky est traumatisé. Il est mélangé. Il dit qu'il a des plans, mais en 2024. Mais donc tu n'as plus de plans pour maintenant, quoi. Il est traumatisé, le pauvre. Frère, on a dit que les Occidentaux ne sont pas des gars. Les gars de LCI sont en train d'allumer Zelensky. Chers camarades. Ils sont en train de dire des choses même qu'on ne pouvait pas imaginer hier. Camarades plus d'Afrique. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils font des révélations. Ils font des révélations qui n'arrangent pas le camp Zelensky. C'est-à-dire que c'est pour dire qu'ils ont lâché Zelensky. Je l'ai dit depuis longtemps. Depuis les premiers jours de cette guerre. Je l'ai dit. Vous êtes là, vous êtes témoins. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes témoins. J'ai dit si. J'ai dit les Américains vont lâcher Zelensky en plein vol. Je l'ai dit. Et je continue de le dire. Ceux-là, ce ne sont pas des alliés fiables. Je le dis toujours. Ceux-là ne sont pas des alliés fiables. Ils t'utilisent et ils te jettent. C'est que l'exemple est palpable partout. C'est comme ça que se comporte, chers camarades d'Afrique. Je vous invite à suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention. On est parti. Il est temps que chacun à Kiev et à Washington se rende compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Pour l'an prochain, nous avons un plan. Pour l'année prochaine. Très construit. Mais je ne vous le partagerai pas. La Maison Blanche a annoncé hier que 96% des fonds prévus pour l'Ukraine avaient été dépensés. Mais ils peuvent réimprimer des billets, ils ont des possibilités illimitées. Écoutez, je viens de lire récemment que les États-Unis dépensent en réalité plus de 200 millions de dollars par heure pour rembourser leurs dettes. Les presses à imprimer vont bientôt tomber en panne. Le papier va bientôt manquer. À l'époque, rappelez-vous, la direction du renseignement militaire français l'avait parfaitement dit, le chef d'état-major des armées avait dit attention, les Russes c'est pas si simple, il y a de la masse, d'accord? La masse ça compte, quand on expliquait sur le plateau, on disait oui mais ils ont pas de chaussettes, ils ont pas de machin. On disait oui, attendez, 400 000 hommes, je me rappelle l'avoir dit, je passais pour un affreux, 400 000 hommes ça se tue pas comme ça. Nous essaierons de montrer des résultats cette année. Pour nous c'est très important, car nous perdons des gens chaque jour. Ce n'est pas comme dans un film. Nous n'avons pas besoin de surprendre tout le monde. Nous devons le faire pour nous-mêmes. Essayez de ne pas perdre chaque jour. Car chaque jour, nous perdrons du monde. Moins que les Russes. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais ce sont des humains, donc ça reste terrible. Pour l'an prochain, nous avons un plan. Pour l'année prochaine. Très construit. Mais je ne vous le partagerai pas. Je suis désolé. Je ne peux pas le faire. Didier, réaction. Est-ce que c'est juste pour remobiliser les troupes ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des choses concrètes derrière ça? Écoutez, non, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit discuter de ce qu'on va faire. Et que Zelensky doit en discuter avec son chef d'état-major qui a clairement montré les problèmes. Alors, à la décharge des Ukrainiens, honnêtement, je pense que... Mais ils ont essayé d'avoir ce qu'ils pouvaient obtenir. Mais je suis désolé, nous avons une part de responsabilité dans cette affaire. C'est qu'il fallait effectivement demander de manière volontariste des armes, etc. Mais rappelez-vous qu'on avait quand même essayé de le dire dès le départ. Les stocks ne sont pas illimités. L'Europe et l'Occident n'étaient pas en... Donc, on a essayé d'obtenir... Et quand on disait ça, à l'époque, rappelez-vous, la direction du renseignement militaire français l'avait parfaitement dit, le chef d'état-major des armées avait dit « Attention, les Russes, c'est pas si simple, il y a de la masse, d'accord? La masse, ça compte. » Quand on expliquait sur le plateau, on disait « Oui, mais ils ont pas de chaussettes, ils ont pas de machin. » On disait « Oui, attendez, 400 000 hommes, je me rappelle l'avoir dit, je passais pour un affreux, 400 000 hommes, ça se tue pas comme ça. » Voilà. Donc, il y a eu aussi, de la part des soutiens de l'Ukraine, et ce qui était normal, des gens qui n'étaient pas des spécialistes des questions militaires, et qui ont cru qu'il suffisait de faire de l'incantation sur ce qu'il fallait donner pour que ça marche, et qui n'ont pas vraiment écouté ce que leur disaient les spécialistes, qui leur expliquaient que c'était bien joli de vouloir le faire, mais que c'était pas un manque de volonté de la part des Occidentaux, mais c'était un problème de coordination
et de mise en œuvre collective de l'affaire. Et que les gens qui travaillaient là-dessus, et Dieu sait s'ils travaillaient à donner ce qu'il fallait, à regarder ce qu'elles étaient les vrais besoins, à dire attention, voilà. Bon, on croyait que c'était parce qu'ils ne voulaient pas les aider. Mais ce n'est pas vrai. Et de ce point de vue-là, il faut faire attention dans les analyses qu'on fait et qu'on donne. C'est parce qu'on veut quelque chose que quelque chose se passe. Et c'est parce qu'on va le dire 15 fois et c'est pareil, les Polonais, les Anglais, etc., qui n'ont pas fait plus que les autres d'ailleurs. À un moment, on commençait à engueuler les Français, vous y croyez pas et tout. C'est pas le sujet. Et c'est pour ça qu'il a fallu à un moment réaxer en disant il faut aider les Ukrainiens, il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils fassent. Mais ne croyons pas que c'est magique. Il n'y aura pas d'armes magiques. Il n'y aura pas d'armes qui vont changer les choses. C'est une question d'être capable de le faire dans la durée, de le faire ensemble, de remonter. Et c'est la même question qui se pose maintenant. Alors maintenant malheureusement, la contre-offensive n'a pas fonctionné et que malheureusement, il faut se reposer les questions, essayons de nous les reposer de manière correcte. C'est-à-dire comment on construit de manière durable une capacité défensive pour les Ukrainiens. Comment on fait? Est-ce qu'on reconstruit les usines chez nous? Est-ce qu'on reconstruit les usines chez eux? Est-ce que c'est de l'État à l'État? Ou est-ce que le privé va commencer à travailler avec des boîtes privées ukrainiennes? Commençons à nous poser des vraies questions, au lieu de continuer à s'agiter et repartir sur le thème, faut leur donner, alors que fondamentalement, on ne sait pas comment le faire. Ça a été dit tout. Camarade peu d'Afrique. Donc, moi, est-ce que je dois commenter même? Mais il faut que quand même je dise quelque chose très important. Vous avez entendu? Et ils ont dit que le chef de commandement militaire français a dit les Russes, ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire que le volet militaire, strictement militaire, a alerté les politiques. C'est ça qu'on entend là. C'est-à-dire que les militaires, là, le renseignement militaire, la chambre militaire a alerté la chambre politique pour dire hey, les Russes, là, on ne peut pas les finir comme ça. C'est 400 000 hommes, lourdement armés, avec des chars de blindés. Depuis 8 ans, ils préparent cette guerre. Arrêtez. Attention. Attention. Ils disent non, on va aider les Ukrainiens, ils vont finir. On va aider les Ukrainiens, ils vont finir. Voilà maintenant le problème. Cher peuple de France, citoyens américains, peuple occidentaux, écoutez. Vos politiques là, ils n'écoutent pas les spécialistes. Parce que les spécialistes ont alerté concernant le problème de l'Ukraine. Ils ont dit que ça ne va pas marcher comme ça. Mais les politiques, comme ils avaient des intérêts inavoués, des intérêts cachés, donc ils vous ont embarqué dedans. Voilà ça. Frère, quand je vous dis tout ici, que ceux-là, leur objectif, c'était de créer. On m'a dit une sorte de comment on appelle ça, d'émeute au sein de la Russie, rendre la guerre, la guerre au niveau de la Russie impopulaire, et puis chercher dissension au sein du peuple russe, chercher un soulèvement au sein de la population russe, créer des sanctions économiques de malades, pour essayer de mettre à genoux la Russie économiquement et pour que bafouer la Russie. Frère, c'est ce qu'ils avaient, c'est ce qui était dans leur tête. Et ils ont échoué. Et comme ils n'ont pas honte et ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Donc, ils font venir ceux qui avaient dit la vérité hier à venir dire la vérité aujourd'hui parce que ils s'en vont. Ce qu'ils avaient refusé d'écouter hier. Ce qu'ils avaient refusé de servir à leur opinion hier, qui est la vérité, qui est la réalité. Et comme ils ont échoué, donc ils viennent servir ça maintenant à leur opinion, avec que l'opinion comprenne qu'ils ne peuvent pas vaincre la Russie. Donc, ils vont de l'Ukraine, pas parce qu'ils vont de l'Ukraine, ils vont abandonner l'Ukraine, pas parce qu'ils vont abandonner l'Ukraine comme ça, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont commencé maintenant à servir à leur population, à leur opinion. L'opinion aussi, comme elle donc elle va comprendre. Mais attention, ce n'est pas tous hein, qui sont comme ça. Il y a beaucoup qui réfléchissent, qui savent que c'est un échec total. C'est ça. Donc, le pauvre Zelensky, traumatisé, il dit qu'il a des plans.
mais pour 2020, pour l'année prochaine. Bon, et cette année, et il reconnaît qu'il perd du monde. Il reconnaît qu'il perd du monde. Mais là, il reconnaît ça pourquoi? Parce qu'en réalité, ses commandants sur le terrain refusent d'envoyer les gens à l'abattoir. Tant qu'il n'y a pas de F-16, tant qu'il n'y a pas d'appui aérien, ils refusent d'envoyer les gens à l'abattoir. C'est pourquoi Zelensky est venu dire maintenant, il accepte de dire maintenant que oui, on perd des hommes, on perd des gens, ce n'est pas de la viande, etc. On a des plans pour 2024. Mais le plan de 2024 dont il parle, c'est quoi? Il attend les F-16. Alors que Poutine, et puis sa chaîne de commandement dit que en 20 jours, les F-16 qui vont venir, ils vont les neutraliser. En 20 jours, pas plus, pas moins. Ils vont les mettre KO. Parce qu'ils ont le contrôle des airs. Zelensky lui-même a reconnu ça. Il dit que la Russie a le contrôle des airs ukrainiens. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors que, de façon législative, sur le volet législatif, Zelensky s'est interdit. Il s'est interdit de discuter avec Poutine. Donc, comme celui qui fait la loi, celui qui peut défaire cette même loi, eh bien, tu es parti à l'Assemblée nationale, tu avais voté une loi. Va à l'Assemblée nationale, fais voter une autre loi pour abroger l'autre loi. Parce que si tu ne le fais pas, non seulement tu vas subir un coup d'État, ça c'est sûr et certain. Parce que ceux qui sont devant là-bas, là, ils ne voudront plus. Et d'ailleurs, ceux qui sont là-bas, le chef de commandement veut être candidat contre Zelensky. Donc, ils ne vont pas accepter d'aller mourir. Et ils vont revenir contre toi. Oui, ça c'est sûr. S'ils ne peuvent pas avancer, ils vont revenir. Et s'ils reviennent, ils vont les trouver derrière, ils vont les prendre. Donc, ce qui est mieux, va abroger la loi et puis commence à négocier. Parce que ceux-là, ils sont partis. Parce que pour la plupart des lobbies, des lobbies américains, les lobbies des démocrates, là, pour la plupart, c'est des sionistes. Donc, ils ne vont pas laisser leur terre, leur occupation qu'ils sont en train de faire au niveau de la Palestine, etc. Ils ne vont pas laisser ça pour venir s'emmerder avec toi. Ils ont du boulot à faire. Ils vont envahir la Palestine, chasser, finir avec les Palestiniens qui sont là-bas, et puis s'établir tranquillement là-bas. C'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc, ils sont occupés à ça. Mais toi, ils n'ont pas ton temps. Toi, tu es un plaisantin. Donc, si tu es malin, va négocier avec Poutine. Le peu, l'espace, le territoire qui te reste là, c'est bon, c'est beaucoup. L'Ukraine est grand. Donc, tu peux rester là-bas, vivre ta vie tranquillement. Camarade peu d'Afrique, voilà la réalité de ce qu'ils voulaient vous faire comprendre. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive la paix dans le monde, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République d'Ivoire 2025, Inch'Allah. N'oubliez pas le 25 novembre, à partir de 15h, tout le monde à la défense. Tout le monde à la défense, on va manifester contre la France-Afrique. Tout le monde à la défense, devant la tour Arena. Vous comprenez, devant la tour Arena. You Arena, on appelle ça You Arena. Vous venez là, tout le monde là. On manifeste contre la France-Afrique. À partir de 15h, il y aura tout le monde là. Camarades peu d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. On est ensemble. Merci.